Chers amis de l'AFPA, bonjour. Bonjour dans cette réunion virtuelle, puisque nous sommes en France confinés, et donc c'est depuis nos domiciles et notre bureau quand nous pouvons y aller, que nous allons ensemble célébrer cette cérémonie de remise des prix. 2020 restera dramatiquement pour nous tous l'année de la grande pandémie, et vous savez qu'elle nous a tous frappés et qu'elle frappe encore le vieux continent où nous sommes. Mais 2020, ça a été aussi l'année du 6e concours international des cafés torréfiés à l'origine, car nous avons décidé, dès le mois de février, coûte que coûte, de maintenir nos activités qui nous semblent importantes pour vous tous producteurs. Et c'est à vous qu'il faut adresser nos remerciements, car c'est grâce à votre courage, malgré les difficultés que vous rencontrez sur le plan économique, malgré les difficultés administratives qu'a représenté cette année l'exportation des échanges. Grâce à vous que ce concours a pu se réaliser, grâce à la confiance que vous nous accordez, et nous vous en remercions. Il a fallu aussi que nos jurys prennent le risque de se retrouver, car là il fallait être ensemble pour déguster les produits présentés à leur sagacité. Nous nous sommes cette année retrouvés à Monaco, dans un cadre particulièrement idyllique, même si cette très belle ville était un peu désertée des touristes de qualité qui en font normalement la vie et l'activité. Nous nous sommes retrouvés dans un cadre professionnel particulièrement pointu, puisque c'est la société des machines expresso Conti qui nous recevait dans son usine monégasque, où nous avons dégusté, avec notre jury d'experts, plus de 150 échantillons qu'il a fallu juger, classer et leur donner une note, ce qui est toujours le moment le plus délicat. Heureusement, ce jury a été récompensé, la qualité était au rendez-vous et même, il faut le dire, en amélioration très significative sur les années antérieures. Nous avons profité aussi de notre séjour à Monaco, et merci à eux, pour faire participer à notre dégustation l'ensemble des chefs regroupés dans les associations monégasques qui nous ont apporté leur sagacité de gastronome et qui ont compris, je crois, tout ce que le café pouvait apporter en matière gastronomique. Peut-être enfin allons-nous un jour arriver à faire rentrer le café au milieu des grands produits gastronomiques. Donc un très beau concours, merci à tous ceux qui ont participé. Je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Bouchazeau, qui est le président du jury et qui va vous expliquer comment il a pu et dû adapter les procédures de dégustation aux contraintes sanitaires qui étaient celles que nous avions cette année et vous donner les principaux commentaires du jury. Hello, I'm Emmanuel Buscazo, and it's a great pleasure for me to be able to talk to you today. It's been a very special year, of course, for everybody, but also for the FVPA competition for coffees roasted at origin. So personally, I've been a member of the jury for several years, but this year I've had the honor and pleasure to be the president of the jury and to have next to me very good members of the jury as well. So we've had to adapt a little bit our conditions of cupping and evaluation of the different coffees because of the health and safety issues brought by the COVID situation. So I can explain to you a little bit how we've done things. So first, we followed the strict protocol for cupping. So in terms of water and dose of coffee with water, we've used common cup for all the members of the jury, who then had to take their own spoon that they never brought to their mouth, never. So they just took some quantity from the main cup and put it in a small espresso cup, which they used to drink and evaluate the coffee. So the only personal item really was the espresso cup, and the spoon was only a vessel to take the liquid out from the main cup to everybody's own cup. So that's how we
all together decided to evaluate the coffees and the protocol that everybody followed during this several days of evaluation of the different coffees we received. So again, it's a great pleasure to be able to be amongst those people in the associations who put up this competition, and seeing the difficulties for everybody on the globe to work and to be able to send coffee. It was amazing to see more than way more than 100 samples, coffee samples from everywhere in the world come together to France. And this year it's been a bit special as well, because for the first time we went to Monaco at a Conti factory, and we've had a great setting there to work together and to be able to rightfully evaluate these different coffees. So again, it's close to my heart, this competition, and every year I can't wait for this moment during which we can taste coffee that we never taste during the rest of the year. And it's also quite amazing to see the progression, because I've been a member of the jury for several years now, and we've had the opportunity to taste many different types of varieties, of course, but processes, countries of origin as well. So again, it's a discovery, and of course, what I want to be able to do through this activity with the AVPA is to communicate around me with my network about this coffee that we never really encounter during the rest of the year. So it's a great and unique way to promote countries of origin and the work that happens there, and not only at the production side of things, but also through the chain and of course roasting. So it's a very unique opportunity for us to put in front some coffees that we don't see again generally. So thanks again for everybody who is sending their coffees. It's you can believe that we honor them, and we are very grateful to be able to test these coffees every year. And please talk with the different producers around you, and we can make this competition bigger and bigger every year. So again, thank you very much for all your hard work. We are only humbled by your work, and it's again, we're only there to evaluate and to bring in front some of the best coffees we've tasted. But really, it's very humbling to be able to see the results of this great work you are all doing at the origin. So thank you again, and I hope to taste your coffee again next year. Ciao. Bonjour, Marina de Rouvre, je suis membre du jury AFPA pour cette année 2020. Pour une petite présentation, je suis sommelière. J'ai travaillé dans plusieurs maisons étoilées. Là récemment, je travaillais en Ardèche dans un restaurant étoilé, puis j'ai tenu un bar à vin dont j'ai fait l'ouverture. Voilà. Par ailleurs, mon parcours sur le café, j'ai commencé par la dégustation, championnat du café. De là, Philippe Juclard m'a contacté pour faire partie du jury AFPA. Voilà. Lors des championnats du café, je jugeais différentes compétitions aussi, comme la Brewers Cup, c'est-à-dire les cafés en extraction douce. Coffee and Good Spirit aussi, cocktail café et alcool. Voilà. Et puis des formations un petit peu que j'ai suivies. Je propose des formations aussi à l'école Vatel que j'ai suivie à Bordeaux, spécialité vin et spiritueux. Voilà. Et puis donc je suis membre du jury AFPA depuis 5 ans.
Voilà, donc 5 années consécutives. Pendant ces 5 années, j'ai pu voir une constante amélioration de la qualité des cafés, qui est vraiment exponentielle chaque année. On a des cafés qui sont de qualité qui est de plus en plus belle. La raison, j'imagine, que les producteurs apprennent de plus en plus à consommer leur café et donc à bien le torréfier et à proposer des qualités qui sont mieux. Ils apprennent des éventuelles erreurs qu'ils pourraient faire et progressent de chaque année, d'une année sur l'autre. Et c'est très intéressant de voir que les producteurs qui produisent par exemple, les cafés qui ont été les moins intéressants pour nous, ils ont demandé des commentaires, donc c'est qu'ils souhaitent faire une amélioration. Et je pense que ce paramètre-là est très intéressant. Voilà. Que dire d'autre ? On a eu de très jolis cafés cette année, des choses un peu originales, avec des notes un peu fleuries, des choses avec des notes vraiment très fruitées, vraiment des très beaux cafés, très bien torréfiés. J'imagine de belles origines, on verra ça avec la remise des prix tout à l'heure. Voilà. Que dire d'autre ? Cette année, le concours s'est déroulé à Monaco, dans les locaux de Conti. Donc c'était vraiment un très intéressant d'être dans une usine au cœur de la fabrication des machines à espresso pour les préparations. Et tout ça, préparation que nous avons dû cette année préparer avec les restrictions Covid, donc avec un procédé un petit peu plus structuré que d'habitude. Mais la dégustation s'est passée très bien, de manière très carrée. Et voilà, on avait une équipe qui était intéressante, des juges bien calibrés et bien professionnels. C'était une très belle année. Voilà. Bonjour à tous, mon nom est Alice et j'ai été membre cette année du jury professionnel lors de la 6e édition du concours des cafés torréfiés à l'origine organisé par l'AFPA. Je remercie mes collègues au passage et toute l'organisation de l'AFPA pour cette opportunité. Donc moi, j'ai commencé à travailler dans le monde du café en 2014. Je suis rentrée j'ai commencé comme commerciale chez un importateur de café vert, déjà très très orientée sur le café de spécialité. Et c'est là que je suis tombée dans la marmite du café. Et voilà, depuis je n'ai plus quitté. Suite à cette expérience chez cet importateur, j'ai décidé de prendre un an pour voyager dans le monde du café. Donc j'ai traversé plusieurs continents pour rencontrer des producteurs de café comprendre ce que c'était que le café, que la production de café dans les pays producteurs, dans les pays d'origine, et comprendre aussi tous les enjeux économiques, sociaux, culturels, tout ce qui est la tradition autour du café, et comprendre le contexte global du café. Voilà. Ce qui m'importe dans le café, c'est l'humanité qu'il y a derrière, des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours la terre, le produit, et qui essayent d'en tirer le meilleur. Donc, suite à cette expérience, qui a été extrêmement enrichissante, je suis rentrée en France et j'ai décidé de connaître l'autre partie de la scène, et donc de rejoindre l'équipe d'un torréfacteur parisien, Coutume Café. Et voilà, maintenant je suis à la fois en charge des achats et de la relation avec les clients finaux pour leur recommander les cafés que nous avons en catalogue. Et j'espère continuer mon apprentissage en découvrant beaucoup d'autres facettes du café qui ne cessent d'évoluer dans les années à venir. Merci beaucoup à tous. Bueno, buenos días a todos. Pues antes de nada, pues quería agradecer a la organización de la AFPA para
dejarme participar como juez profesional a esta sexta edición del concurso de cafés tostados en origen. Fue la primera vez para mí y fue una experiencia bien interesante, pues de poder catar en 2 días así cafés del mundo entero. Y la verdad es que me pareció que el nivel general era bastante bueno. Hubo unos cafés con fallos graves, defectos graves, pero la mayoría de los cafés eran bastante limpios y dulces. Yo diría que hubo a veces como problemas al nivel de tueste. Pues también en nuestra referencia aquí en Europa y en Francia estamos acostumbrados para la gente que trabaja el café especial a unos tuestes un poco menos oscuro y la marca del tueste pues nos impide sentir todo lo que el café puede decirnos. Es así y estamos acostumbrados de esta manera, pero sin embargo tengo que decir que el nivel general fue, yo creo, bastante bueno y que cada año se ve que en el mercado hay mejores cafés. Así que pues les agradezco a todos y les doy realmente felicidades para su trabajo al día a día. Sabemos que es un trabajo duro, pero que el café nos lo rende bien. Gracias a todos. Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Obrecht et je suis enseignant au lycée hôtelier Alexandre Dumas à Strasbourg, qui se situe dans l'est de la France. C'est ma quatrième participation en tant que jury au concours organisé par l'AFPA, qui récompense les cafés torréfiés à l'origine. Alors le café fait partie intégrante de ma vie depuis quelques décennies maintenant. Je suis formateur en caféologie auprès de mes étudiants et je coach de nombreux candidats à des concours liés au café. Par ailleurs, je participe aussi en tant que jury au concours Un des meilleurs ouvriers de France, torréfacteur. Le concours de l'AFPA me tient particulièrement à cœur pour de multiples raisons. Et c'est toujours à la fois un plaisir et un défi de déguster une palette aussi variée qu'étendue de cafés différents. J'apprécie particulièrement ces petits moments entre connaisseurs où on n'a pas besoin de se parler pour se dire qu'on est devant des cafés d'exception et parfois aussi devant des cafés un peu moins gourmands. Et puis, quand le café a été évalué, chacun exprime son ressenti et cet échange permet de mieux les comprendre et de mieux les cerner. Avec le comité de dégustation, nous avons passé 2 journées extraordinaires à Monaco. Et je peux vous assurer que nous avons perçu une vraie évolution sur la qualité globale de vos cafés. La variation de la qualité du produit est nette et les efforts de la torréfaction sont notables. On sent un réel respect du café pour en exprimer le meilleur. Aussi, je ne peux que vous encourager à poursuivre dans cette voie qu'est l'amélioration de la qualité et je vous propose de nous retrouver l'année prochaine dans de meilleures conditions, je l'espère. Bravo encore à tous et félicitations au Café Primé. À bientôt! Chers amis producteurs, pourquoi avoir dédié tant d'efforts en participant au concours ABPA? Pour gagner une médaille et une reconnaissance. Les produits sélectionnés dans chacune des catégories se voient attribuer une médaille, Produits Gourmets Paris. Ensuite, les meilleurs de leur catégorie obtiennent la médaille Gourmet Or, Gourmet Argent ou Gourmet Bronze. Pourquoi une médaille? Pour avoir un avis impartial des professionnels du goût, la reconnaissance du travail effectué, une reconnaissance pour l'ensemble du personnel de production, une motivation pour se surpasser dans les années à venir et une possibilité de se distinguer par rapport aux autres producteurs. C'est une reconnaissance aussi pour vous, producteurs, dans la jungle des étiquettes. C'est une garantie de la qualité du produit et la présence de la médaille AVPA sur vos emballages facilite le choix des consommateurs finaux
et leur garantit la qualité de votre produit. Comment donc utiliser la médaille AVPA? Un travail direct et intensif avec la presse locale est toujours très utile et relativement aisé. Elle est l'avocate du succès du produit et du producteur dans la région. Il est possible d'organiser une cérémonie locale de remise de prix et à cet effet, un représentant d'AVPA peut éventuellement renforcer de sa présence l'impact de la remise de la médaille. Nos lauréats ont tous intérêt à faire valoir la médaille qu'ils ont gagnée par tous les moyens possibles, sur les stands d'exposition, les plaquettes commerciales, leur site internet, les réseaux sociaux, leur courrier commercial. L'utilisation de la médaille est possible de deux façons. Soit en apposant directement votre médaille sur votre emballage, de cette façon, soit en l'imprimant directement sur votre emballage, ce qui doit se faire dans le respect d'une licence préparée par AVPA. Étant donné la situation particulière que nous connaissons tous, AVPA a décidé de vous offrir cette année un rouleau de stickers que vous pourrez réclamer en nous contactant directement. Merci. Queridos productores, ¿para qué dedicar tanto esfuerzo en participar en un concurso? Para ganar, para obtener una medalla. Los productos seleccionados en cada una de las categorías reciben una medalla, Producto Gourmet París. Y los mejores de su categoría obtienen la medalla Gourmet Oro, Gourmet Plata o Gourmet Bronce. ¿Pero para qué una medalla? Una medalla ofrece un gran número de ventajas a los productores y al consumidor. Una opinión imparcial por parte de los profesionales de sabor en el mercado francés. El reconocimiento del trabajo realizado. Una recompensa para el conjunto del personal de producción. Una motivación para sobresalir en los años siguientes. La capacidad de diferenciarse con relación a otros productores. Un signo de reconocimiento en medio de un gran número de etiquetas. La garantía de un producto de alta calidad. La presencia de la medalla AFPA en sus empaques facilita la elección de los consumidores finales y les garantiza la calidad. ¿Pero cómo utilizar la medalla? Informando a sus colaboradores, trabajando directa e intensivamente con la prensa local, organizando una ceremonia de entrega de premios local. Un representante de AFPA puede eventualmente reforzar con su presencia el impacto de la entrega de premios. Utilizando la medalla obtenida en sus empaques. Nuestros galardonados tienen todo el interés en mostrar la medalla que han ganado siempre que sea posible. En ferias de exposición, folletos comerciales, sitios web, redes sociales, correo comercial. La utilización de la medalla puede hacerse utilizando directamente la pegatina sobre el empaque o imprimiendo directamente sobre la etiqueta la medalla obtenida. Este año, teniendo en cuenta la situación mundial, hemos decidido regalar a cada uno de los ganadores un rollo de la medalla obtenida. Para esto, no duden en contactarnos directamente. Muchas gracias. Hi everyone, my name is Gaël Gonemer and I am the Strategy and Marketing Director of Conti. Conti, we are a producer of traditional espresso machine since 1956. We are located in Monaco. It's hard to believe to have a real production site here in Monaco, isn't it? We produce more than 12,000 machines every year, and we are focused on certain markets where Conti is part of the top five of the worldwide espresso machine producer. We are number one in France, number one in North Africa, and we're part of the top five in UK, Korea, South Asia. We are passionate by coffee in producing espresso machine, and we are specific to be always the best ratio money for value. The value of Conti are to be involved, to be honest, and to be respect. And with this common passion and value, we find a way to meet the competitor association AFPA that have similar common points. So we easily in a straight way, conclude a partnership with them to be the sponsor of the equipment.
this year, in this specific period we are passing through with the pandemic, we were very glad to welcome the sixth edition of the Coffee Roasted at Origins contest. We have all a team of professional juries that test all of your coffee. I wish you very good luck to all competitors and to one day share a good cup of coffee here in Monaco with the winner. Thank you and good luck. Bye. Chers amis, bonjour. De todo el mundo, de América Latina, from Asia, from Africa, merci à tous d'être présents pour assister au moment le plus cruel, crucial de cet après-midi, la remise des prix du concours café dont les jurés ont pu vous expliquer les tenants et les aboutissants. Nous allons donc vous donner lecture des résultats par pays et dans chaque pays par entreprise, puisque des entreprises ont présenté quelquefois beaucoup de café. Ils ont donc eu assez normalement plus de médailles. Nous attribuons une médaille par entreprise, quelle que soit, je dirais, la qualité des cafés ou des qualités de type de dégustation qui ont été demandées. Damos una medalla por empresa o por café, más precisamente, que sea un café solo para expreso o un café filtro. Nos parece normal como hay una sola marca de café, pero en efectivo, los tostadores o los productores que no saben seguir la calidad pueden perder una o dos posiciones. Si, por ejemplo, en el café, como el café catado como café filtro ganará una medalla de oro, pero como café expreso solo va a tener una medalla gourmet, ¿qué hacemos? No va a tener una medalla oro, va a tener un bronce o una medalla de plata. Entonces, nuestro consejo, porque hemos tenido el problema este año varias veces, nuestro consejo, si tienen dos tipos de cafés para el expreso y el filtro, mándanos dos cafés para competir dos veces con el mismo café y distintas tostaciones. Ces remarques étant faites, donc je disais pour nos amis francophones, parce que ça concerne aussi pas mal l'Afrique, nous donnons une médaille pour chaque marque de café, même si le café a été dégusté pour partie en expresso et pour partie en café filtre. Nous donnons une seule médaille et bien sûr, celui qui aurait eu une médaille d'or en café filtre mais n'aurait eu une médaille gourmet en café ne pourra pas prétendre à une médaille d'or au total. Donc sachez-le pour les années suivantes et n'hésitez pas à nous faire passer deux emballages et deux cafés pour que nous puissions donner la juste valeur à votre café. Donc nous allons maintenant commencer à vous présenter les cafés. Encore une fois, par pays et dans chaque pays, par entreprise. Alors, je commence par ordre alphabétique, par le Cameroun. Et je vois que Terrific Coffee est présent. Et dans la catégorie puissant amer, Monsieur Thierry Dianga, vous avez gagné une médaille gourmet argent. Je vous laisse regarder cette liste. Mm-hmm.
Et j'appelle maintenant Monsieur Thierry Dianga. Monsieur Thierry Dianga, je sais que vous êtes là. Allô, allô. Bon, bah, si Monsieur Dianga n'est pas là. Ah. Si Monsieur Dianga est là. Est-ce que vous pouvez prendre... Je suis là. Bonjour. Oui, oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Le groupe APAV, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir envoyé votre café. Oui. Et félicitations pour cette médaille d'argent. C'est un plaisir pour nous de participer déjà au concours, quoi. Alors, la catégorie puissant amer est une catégorie difficile parce qu'elle a des caractéristiques qui ne sont pas forcément les plus habituelles pour le palais de nos jurés. Et je les remercie de l'effort qu'ils font pour donner avec le plus d'objectivité possible des résultats cohérents par rapport à leur café. Quelle est l'histoire de votre société? Où est-ce que vous vendez votre café torréfié? Déjà, notre café torréfié, l'histoire de l'entreprise, même nous sommes une entreprise camerounaise et nous faisons longtemps l'exportation. Nous, on exporte en Belgique et au Cameroun, on est... Il y a beaucoup de producteurs qui sont en train de se décourager dans la caféiculture. Et à force de ça, moi, en tant que fils de producteur et producteur en même temps, je me suis donc décidé de savoir un peu plus sur le café. C'est où je suis allé en France me former dans la torréfaction et là de barista, où on m'a pris le café de spécialité. Et je me suis donc rendu compte qu'au Cameroun, on cultive le café, mais on ne sait pas apprécier le café. Et si on savait apprécier le café au Cameroun, puisqu'on a l'habitude de boire les cafés courants, peut-être les cafés tels que les cafés solubles et les cafés de commerce au Cameroun. Bon, nous, on a donc lancé une initiative pour produire un café de spécialité. Dans un café qui n'a, c'est où naît le nom Terrific Coffee. Terrific veut dire quelque chose de sensationnel, quelque chose qui n'a pas de défaut. C'est pour ça que votre concours, pour nous, c'est une aubaine. Pour nous, c'est une opportunité de chaque fois présenter nos cafés à vos concours parce que nous voulons vraiment évaluer si notre travail est progressif ou nous voulons vraiment faire cette différence au niveau de la qualité. Et aujourd'hui, puisque les Camerounais avaient l'habitude de consommer un café qui était écœurant, un café de commerce, nous sommes en train de leur proposer un café agréable au niveau de la consommation. Et grâce à ce concours aujourd'hui qui reconnaît la valeur de nos efforts, nous ne pouvons dire seulement merci par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire pour nous aussi en même temps, quoi. Parce que ça concrétise un peu le travail que nous sommes en train de faire aussi. Super. Eh bien, écoutez, je suis très heureux que ce concours vous soit utile. C'est bien l'objectif du concours, d'être au service des producteurs. Et on est effectivement à vos côtés pour, à travers la torréfaction, que les producteurs de café vert apprécient mieux la qualité de ce qu'ils produisent et sachent le mettre avec une meilleure valeur ajoutée sur les marchés internationaux. Alors, je vais passer du Cameroun à un autre pays producteur, la Colombie. Colombia es quizás el primer país competitor en nuestra competición, por parte, gracias al número de sus productores que participan en este concurso, y también quizás por el desarrollo del país que obliga a sus cafeteros de transformar el café verde en café tostado y venderle molido a los consumidores locales. Llamo al señor José Felipe Jaramillo de Alma Café, que ha ganado cuatro medallas, dos medallas gourmet or y dos medallas gourmet argent en
tres categorías, perdón, no, cuatro categorías: acidulado frutado, dulce frutado, poderoso aromático acidulado y aromático acidulado. ¿El señor José Felipe Jaramillo está? Sí. Sí. Buenos días. Hola, José Felipe. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Dígame, ¿cómo hacen para ganar cuatro medallas en nuestro concurso? No, Felipe, todos los jurados, muchas gracias. No sé si por acá, que también estaba pendiente nuestro gerente general Octavio Castilla, no sé si ya está conectado, pero no, pues muy, muy contentos, muy felices de esa grata noticia. Agradecerles a Felipe, a ustedes en APA, al concurso, a todos los jurados, pues por este reconocimiento. Lo que hemos hecho, obviamente, es nosotros desde Alma Café y obviamente con la Federación de Cafeteros, buscando los mejores cafés de Colombia. Esa es la tarea diaria que tenemos, y nosotros, pues, desde la torrefacción y todo el proceso de tostado que tenemos, pues hemos cada vez mejorado más los procesos, y esta es la tercera vez que participamos en el concurso, y pues vemos que cada vez vamos mejorando y logrando mejores premios. Entonces, pues, muy contentos de obtener esos reconocimientos. Gracias a ustedes, digamos, por todo, por el concurso, y por esos premios que logramos. Y gracias a ustedes por la calidad de los cafés que nos mandan. De Cundinamarca, en Colombia también, viene el café 1800 metros. El señor Giovanni Andrés Lozano Aguilera está aquí. Sí, lo veo. ¿No? ¿No está? Y por esos premios que logramos. Gracias por la calidad de los cafés que nos mandan. De Cundinamarca, en Colombia también, viene el café Miro. Ah, la conexión parece difícil. Bien, saben que este café ha ganado una medalla gourmet de bronce. Del Quindío, ahora, Eduard Fabián Torres Valencia, con el café La Morelia, ha ganado una medalla gourmet. Eduard Fabián, ¿estás aquí? No lo veo. Entonces paso la palabra a Juan Emanuel Jourde, que va a seguir con la lista de los cafés de Colombia. Por favor, Juan Emanuel. A todos. Ahora, también de Quindío, hay el café La Carelia, café de origen, y estamos llamando a Elizabeth Rodríguez Pardo, si está aquí. Es un café que obtuvo un gourmet bronce en la categoría poderoso aromático acidulado. ¿No está la señora Elizabeth Rodríguez Pardo? Ok. Paso a la siguiente, todavía en el Quindío. Es la compañía Galo Campuzano, con su coffee shop La Tienda de los Mecatos, en la categoría acidulado frutado, obtuvo un diploma gourmet. Aquí está el señor Luis Bernardo Galo Campuzano. Tampoco no está atendiendo. Quizás más tarde. Después, todavía en la provincia de Quindío, el grupo Calpazapa, con el café San Alberto, en la categoría suave aromático, obtuvo un gourmet de bronce. El señor Guatavo Villota, ¿está? Cambiamos de provincia, en la Valle del Cauca ahora. El café Villalora tuvo dos medallas, una para Papa Oscar, el gourmet de bronce, categoría acidulado frutado,
y para el Mama Ruby, el diploma gourmet en la categoría poderoso aromático acidulado. Estamos llamando el señor John Jairo Salgado Aguirre. No sé si está. Hola, ¿cómo están? Buen día. Ah, buen día. Sí, así, señor, usted obtuvo dos medallas. ¿Es la primera vez que participa en el concurso o no? Sí, señor, es primera vez que participamos como Café Villa Laura. Es pues una gran oportunidad que hemos tenido este año de participar y pues obviamente nos sentimos muy honrados de hacer parte de los premiados durante este año. Ok, muchísimas gracias, señor. Ahora voy a seguir con la lista de premiados. También en Valle del Cauca hay Manantiales del Frontino con la marca San Miguel Borbón en la categoría acidulado frutado, un diploma gourmet, y estamos llamando al señor Jason Lisandro Ardila Sierra. No sé si está aquí. Sí, aquí estoy. Sí, qué bien. Buenos días, muchas gracias. Sí, ¿usted es también la primera vez que participa en el concurso? Sí, primera vez que participamos. Muchísimas gracias. Muy contentos de haber concursado y haber sido partícipes de este evento tan bonito. Muy bien. Y una medalla gourmet es una recompensa interesante en este concurso, con la competencia que está muy alta y la calidad de los cafés que están muy altos. Y le felicitamos de nuevo. Ahora voy a pasar de nuevo la palabra al señor Felipe, nuestro presidente, que va a seguir con la lista de los premiados. Muchas gracias. ¿Felipe? No sé si Felipe me está escuchando. ¿Felipe? Parece que su micro está cerrado. ¿Felipe? No se oye. Je veux la palme bleue. Ah, ça y est. ¿Felipe? Oui. Merci. J'ai demandé donc à nos collaborateurs de mettre la deuxième page des résultats, qui va concerner encore la Colombie. Pregunto a nuestros amigos de poner la página 2 de los resultados para Colombia, principalmente la empresa Vive Café y Business One Coffee Export. Luis Fernando Vélez, ¿estás aquí, por favor, mi amigo? Aquí estoy, Felipe. Hola, Luis Fernando. ¿Has visto esos resultados estupendos? Sí, veo que una vez más logramos el objetivo de tostar cafés de alta calidad. Gracias a APA. Luis Fernando Vélez. ¿Estás aquí, por favor, mi amigo? Levanta la mano. Aquí estoy, Felipe. Sí, hola, Fernando. ¿Has visto esos resultados estupendos? Más logramos el objetivo. Luis Fernando, debes empezar, por favor. Hola, Felipe. Sí, aquí estoy. Un gusto y muchas gracias a AFPA y a ti. El esfuerzo que iniciaste hace 10 años ha sido un gran apoyo para la filosofía que lleva impulsando Amor Perfecto desde hace muchos años. Creemos que llegó el momento que los países productores agreguemos valor en el origen y mostremos al mundo la de los cafés que podemos. Estamos muy contentos con la organización y muy felices de haber obtenido estas medallas. Y
Y esperamos que por fin el año entrante tendremos la oportunidad de viajar a Colombia o quizás que tú tengas la oportunidad de venir a Europa. Teníamos varios proyectos de una intervención de los cafés tostados al origen en Bogotá con la Federación Nacional de Cafeteros y teníamos también en Colombia la idea de una competición nacional de cafés tostados colombianos en Colombia. Esperamos que esta horrible pandemia va a permitirnos viajar nuevamente y empezar nuevamente una vida normal. Del Valle del Cauca, siempre en Colombia, la empresa Business One Coffee Export con Javier Carrasco nos has ganado dos medallas. No sé si Javier Carrasco está por aquí. Javier. Javier, no está. Ha ganado una medalla de bronce en la categoría acidulado frutado y en la misma categoría un café gourmet. Si puedes poner la página siguiente, por favor, amigos, la página 3. Para terminar con Colombia. Con café de Caféscope. Hola, la página 3, por favor. Juan Emanuel, te paso la palabra. Ginebras Gourmet, un gourmet de plata para mujeres cafeteras ginebras y otro gourmet de plata para ginebras origen Viges. Y ha obtenido dos diplomas gourmet para sus cafés Ginebra Excelso, ginebras origen Sevilla. Estamos llamando a Eugenia Balanta si está aquí. Eugenia Balanta. Parece que no está. Vamos a seguir con la lista de premiados. También en Valle del Cauca. ¿Ah? ¿Qué? Ya no. La cooperativa de caficultores de Caicedonia, con su café Sentinela, en la categoría poderoso aromático acidulado, obtuvo un diplomo gourmet. El señor Cristian David Rodríguez Tataneda está aquí, de la cooperativa de caficultores de Caicedonia. ¿No está? Bien. Ahora. Hola, Filipe, aquí estoy. Hola, Filipe. Habla Luis Gallo, de Coffee Shop, la tienda de los Mecatos. Sí, pero. Muchas gracias. Sí, estamos llamando a otra persona. Ah, pensé que me estaban llamando a mí. Sorry. Sí, no hay problema. Estábamos llamando a Cristian David Rodríguez Castañeda, de Cooperativa de Caficultores de Caicedonia, si está aquí, pero parece que no. Vamos a seguir con la lista de premiados, con la Cooperativa de Caficultores del Centro del Valle, con su café Dos Vertientes, Valle del Cauca, en suave acidulado, que obtuvo un diploma gourmet, y vamos a llamar a César Augusto Medina Rincón. No sé si está aquí. Tampoco. Filipe. ¿Me escuchas, Filipe? Ah. Cooperativa de Caficultores. Del Centro del Valle, Filipe. Del Centro del Valle, qué bien. Usted obtuvo un diploma gourmet en la categoría suave acidulado. Qué bien. ¿Es su primera participación al concurso? Gracias, Filipe. Es nuestra tercera participación y en estas tres participaciones hemos estado presentes entre los ganadores. Agradecemos a APCA, a nuestros 1.300 asociados cafeteros que trabajan día a día por producir el mejor café del mundo, Filipe. Muchísimas gracias a ustedes
por su apoyo a la industria cafetera. Muchas gracias y esperamos verles de nuevo el año próximo. Los esperamos por aquí, por Colombia, Filip. Bienvenidos. Y por este Valle del Cauca. Ok, hasta luego. Gracias. Ok, ahora había saltado la cooperativa de caficultores de Sevilla, con su café Cinco Verdes, en la categoría aromático acidulado. Y estamos llamando al señor Fernando Calvo Arias. No sé si está aquí. Fernando Calvo Arias. ¿No? No está. Ok. Vamos a seguir con ahora la cooperativa de caficultores del sur occidente del Valle del Cauca, con su marca Ribera del Fraile, en la categoría aromático acidulado, que obtuvo un gourmet de oro. Gourmet oro. Y estamos llamando al señor Gustavo Alberto Vázquez Gardeazabal. Gustavo Alberto Vázquez Gardeazabal, de la cooperativa de caficultores del sur occidente del Valle, que obtuvo un gourmet de oro. ¿Está? No está. Vamos a terminar esta tercera página con la cooperativa de caficultores del sur occidente del Valle, que obtuvo un diploma gourmet por su marca Pacífico en la categoría suave acidulado. Y de nuevo estoy llamando al señor Gustavo Alberto Vázquez Gardeazabal. Ok, no está y vamos a conseguir ahora con la cuarta página. Llamamos a la página 4, por favor. Página 4. En esta página 4 vamos a ver otros países que Colombia ahora y vamos a cambiar de continente. Eso es la... Página 4, por favor. Es la página 3 que nos ha puesto. Voilà. Gracias. La página 4 vamos a hablar de varios países, la República Democrática del Congo. ¿Puedes hablar en francés? Porque sí. En la República Democrática del Congo se habla francés. Pues, voy a hablar francés, pero estoy diciendo todos los países: Congo, Ecuador, Estados Unidos, Etiopía y Honduras. Alors, por el Congo, en la región del Sud Kivu, la cooperativa Tumami Coffee, sous la marca comercial Café des Femmes, a obtenu dans la catégorie doux acidulé une médaille gourmet d'or. Voilà. Nous tenons à signaler donc que c'est un café extrêmement fin et extrêmement doux qui a obtenu cette médaille gourmet d'or. Est-ce que la personne qui les représente, j'ai comme nom Alinea Feza, est là ou quelqu'un de la coopérative Tumami Coffee? Ils ont peut-être aussi des problèmes de liaison Internet. Malheureusement, ça arrive lors de ces remises des prix en ligne. Eh bien, nous les félicitons. Et s'ils peuvent se connecter avant la fin de la séance, eh bien, nous les recevrons avec plaisir. Je vais donc reprendre en espagnol pour le suivant, qui est un café d'Équateur. Es un café d'Équateur. Ahora, de la compañía Guillermo Andrés Ortiz Ramírez, la finca Victoria Specialty Coffee en la región Choco Andino y en la categoría Poderoso Aromático Acidulado, que ganó un gourmet argent, gourmet de plata, y estamos llamando al señor Guillermo Ortiz. Aquí estoy presente. Muy bien, señor. Mucho gusto. Felicitaciones para su gourmet. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que usted participa? Es mi primera vez. Ah, con éxito, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Es mi primera vez, recién comencé a tostar también. Todo esto es nuevo para mí.
Es un resultado impresionante y esperamos verle de nuevo el año próximo. Sí, así seguiré participando. Ok, muy bien, señor. Ok, ahora muchas vamos gracias. A pasar en un lugar muy diferente, que es el un otro continente, que son los Estados Unidos. Now we are going to speak to United States, in fact, the state of Hawaii, in the center of Pacific, so it's quite long way. There is like 12 hours of the time difference, so I don't know if they are connected and if they will hear us, but maybe they will find a way to find the result. So it's a company, Buddha Sanctuary, and they have two coffees which have a middle. The first one is in the Kona region, the famous Kona region in Hawaii, with Imagine 100% Kona coffee in the category Powerful Soft. We won Silver Gourmet, a Gourmet Argent. And the other one is the Manis Brew from the region Hilo, which is an aromatic acidulated coffee, which won a Bronze Gourmet, which is Gourmet Bronze. And we are trying to reach Christine Coleman, but I think it will be difficult at this time of the night, because I think it's 3 o'clock, something like that for them. So unless they want really to hear us, I presume they are sleeping. Hello, Christine, and again, bravo for your result. And we hope to see you again next year as you participated since the beginning of the contest. Thank you very much. Well, thank you, Jean-Emmanuel. I will go on with the rest of this page, but I saw that my friend Boris Lehap joined us, and I will ask Boris to saludar a todos sus amigos de América Latina y del mundo del café entero. Boris, te paso la palabra. No, on t'entend pas, voilà. Et là, ça y est. C'est bon. Ok. Bueno, estimados amigos cafeteros de todo el mundo que han participado en el concurso de AFA, para mí es muy grato verlos participar a pesar de todos estos problemas actuales de pandemia, que ustedes hicieron un esfuerzo enorme, lo que ha permitido que el concurso que inició realmente hace 6 años, ya vamos en su 6ª edición, haya podido continuar y sobre todo que se haya afianzado tanto como un concurso internacional de renombre ya internacional gracias a la labor de todos ustedes. Para mí es un honor, lamentablemente mis problemas de salud me impidieron estar muy presente este año, pero bueno, gracias a Dios todo está saliendo bien y podré continuar a verlos, pero siempre los recuerdo con mucho cariño. Boris, gracias a ti y seguimos con los resultados de la competición. Tengo que seguir con Etiopía. Etiopía, no sé si el señor Guido van Staveren van Dijk está con is with us from Fairchain Agro Processing. Fairchain Agro Processing. Well, it seems to be a very good and very impressive organization who is now roasting the Ethiopian coffee in Ethiopia as to let more added value in the country of origin. So, frankly speaking, I want to congratulate our friends who are doing that effort. And they are doing that effort very well, as they won a gourmet medal in the category sweet aromatic. Y now Arnold Paz, yo he visto Arnold Paz en la lista de las empresas, de las personas que están aquí con nosotros.
José Arnold, me gustaría hablar contigo. Hola, José Arnold. Mucho gusto, Filip. Muchas gracias. ¿Cómo vas? Estamos a la espera de un huracán hoy, pero este ha sido un premio muy feliz. Estamos muy contentos. Tú has ganado dos medallas, dos medallas de bronce en dos categorías con tus cafés. Una medalla en la categoría redondo equilibrado y una medalla en la categoría dulce acidulado. Entonces, congratulaciones. Este año no has ganado una medalla de oro, pero yo soy cierto que si no es este año, será el año entrante. La próxima vamos por el oro, pero muchísimas gracias. Es la tercera vez que estamos en AFPA, pero muy orgullosos, felices, y esperamos vernos en París el próximo año, si Dios lo permite. Si Dios lo acepta. Pasemos a la página 5, por favor, amigos. ¿Puede mostrar la página 5? Hola. Página 5, por favor. En la página 5 vamos a ver cafés de Indonesia, de Kenia. En Indonesia hay una empresa franco-indonesiana. In Indonesia there is a company which is franco-indonesian, Kopi Luwak. The name of the company is Le Plein Sens. And they sent us this year samples who won a gourmet medal. In Indonesia, the gourmet gold has been won by AEKI, which is the Association of Indonesian Coffee Exporter Association, and they won a gold medal and also 1, 2, 3 gourmet medal for different coffees from Java and West Java. Mainly in the category acid fruity acid. Is there a representative of AEKI in the room attending to that ceremony? No, I don't think so. It's a bit late over there. And from Kenya. Kenya, which was not that present past year, this year we have 5 winners from Kenya, and we are very happy with that. Maguta David, is Maguta David here? Yes, there's a representative. Okay, could you introduce your company and tell us how you managed to win a gold medal? Yeah, sure. My name is Susan Moshiri. I am the head of marketing in Maguta Coffee. Yes. Unfortunately, the founder, David Maguta, was not able to attend the event. He sent his apologies. So basically what we do at our firm is add a lot of value addition to the coffee. We take time, and there's a lot of passion also that we add when the whole process from the bean to the cup. That's how we make sure you get a very excellent taste and notes in the coffee. I guess that's how we were able to win as well. Congratulations, because we receive beautiful coffees from Kenya, and also one of your colleagues from Elite Exim Limited, Mr. John Mouly. John, are you here? John? No, I cannot see you. Well, John sent us 2 coffees and has won 2 gourmet medals. And to finish with Kenya, the company Fairchain Agroprocessing
send us powerful coffee and won the Gourmet Medal from Kenya. Thank you to them. Can we go on with page 6, please? Back to Latin America, regresamos a América Latina y vamos a seguir con café de México y de Nicaragua. En México tenemos una impresionante empresa, Via Corta, que ha ganado 6 medallas, 2 de oro, 2 de plata, una de bronce y una gourmet. Jorge Mandujano Muñiz, ¿estás aquí con nosotros, Jorge? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Jorge. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. También está aquí el tostador Javier Cruz, de Tour Factories. Parfait. Je sais que tu es le Mexicain qui parle le meilleur français de tout le Mexique, peut-être de Paris. Merci beaucoup, c'est très gentil. Pero sí, muchas gracias por el concurso de este año y esperemos seguir trabajando mano a mano y que eventualmente vengan a México a tener una premiación en persona ya que sea posible con las medidas sanitarias. Trabajemos en eso este año. ¿Eh? Gracias por tu participación y congratulations. Merci beaucoup. Alors, du Mexique nous vient aussi Eda Sempéritres, qui nous a envoyé, comme d'habitude, un café très chaud, tout à fait intéressant. Est-ce que Eda Sempéritres est là? Bonjour, très bonne soirée, c'était Agnew. Merci pour votre participation et congratulations. Merci beaucoup. Alors, du Mexique nous vient aussi Eda Sempéritres. Non, parece que tres au café no está. Jean-Emmanuel, est-ce que tu peux terminer la présentation du Mexique et du Nicaragua? Tu n'as pas ton micro, Jean-Emmanuel. J'ai pas mon micro. Voilà, ça y est. El último café de México es el café de... La San Pieri? Non, de Emilio Vélez Quintero. Sierra del Mar Café de Veracruz, en poderoso suave, obtenido un gourmet bronze, y estamos llamando a Emilio Vélez Quintero. ¿Está aquí Emilio Vélez? No. Ok, vamos a pasar ahora en otro país de América Latina, que es Nicaragua. En Nicaragua, la compañía Marta y Ana María Albir obtuvo un gourmet de bronce para su café Maracatura One de la región Nueva Segovia en la categoría suave aromático. Y otro café de Maracatura natural. Vamos a pasar ahora en otro país de América Latina, que es Nicaragua. En Nicaragua, la compañía Marta y Ana María Albir obtuvo un gourmet de bronce para su café Maracatura One. Excusez-moi, Marta Bull. Oui, c'est moi. En la categoría. Vous pouvez fermer votre micro parce que je pense que ça fait écho. Otro café. Ah, c'est mon école. Merci. Voy a dar el segundo resultado de Marta y Ana María Albir, el Maracatura Natural de Nicaragua en la categoría redondo, equilibrado, obtuvo un diploma gourmet. Ahora vamos a pasar la palabra a la señora Marta Albir. Que debe poner su micro.
Marta Albir, ¿puede poner su micro? ¿Usted puede poner su micro? Marta, ¿puede abrir su micrófono? ¿Puede abrir otro micro? Perfecto, ya. Voilà, perfecto, merci. Sí. Merci. Bueno, muchísimas gracias por permitirme participar, muy contenta. ¿Puede poner su micro? Sí, ya está abierto. Ya está abierto. Sí, muchísimas gracias por permitirme. ¿Puede poner su micro? Sí, ya tengo el micro. ¿Puede poner su micro? Sí, ya lo tengo. ¿Puede? Sí, ya está. ¿Puede abrir su micrófono? Ya está prendido. ¿Puede abrir otro micro? Perfecto, ya. Voilà, perfecto. Merci. Sí. Sí. Bueno, merci. Bueno, muchísimas gracias por permitirme participar. Muy contenta. ¿Puede poner su micro? Sí, ya está abierto. Ya está abierto. Sí, la primera vez que participamos. ¿Puede abrir su micro? Sí. Ya está prendido. Sí, ya está prendido. Sí, ya está prendido. Bueno, muchísimas gracias por permitirme participar. Sí, ya está abierto. Ya está abierto. Sí, la primera vez. Muchísimas gracias. Marta, Marta, cierra YouTube. Deja solo Zoom para que podamos escuchar solo una vez y no escuchar el retorno. Excuse-moi Martha, mais je crois qu'il faudrait que vous coupiez YouTube si vous êtes encore sur YouTube. Merci. Et maintenant, vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, Marta? Merci. Ya está abierto, ¿no? Excusez-moi, Marta, mais je crois qu'il faudrait que vous coupiez YouTube si vous êtes encore sur YouTube. J'ai pas l'impression que j'étais sur YouTube. Non, je suis sur Zoom. Merci. Et maintenant, vous pouvez ouvrir votre micro. C'est pas, là, vous ne m'écoutez pas. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, Marta? Oui, je... Merci. C'est ouvert. Bon, je suis désolé, Martha, on va être obligé de vous couper le son parce que nous avons des répétitions et des échos qui sont un petit peu désagréables. Jean-Emmanuel, est-ce que tu veux continuer la présentation des résultats, s'il te plaît? La compañía Adán, con su marca Origen Esquilaya Espresso, obtuvo un gourmet de plata en la categoría Poderoso Aromático Acidulado. Y su otro café, Origen Esquilaya Infusión, obtuvo un gourmet de bronce en la categoría acidulado frutado. Estamos llamando al señor Adán Rodrigo Quispe. No sé si está aquí el señor Adán Rodrigo Quispe. ¿Aló? ¿No está? Philippe. Allô? Si. Tu peux continuer, Jean-Louis? Oui, je vais continuer parce qu'il paraissait que le señor Adán Rodrigo Quispe no está. Ahora, en Perú, todavía, para la compañía Félix Marín Ludeña, su marca Incan Forest obtuvo un gourmet de bronce en la categoría acidulado frutado, gourmet de bronce. Señor José Félix Marín Ludeña. ¿Está aquí José Félix? Parece que no, parece que no. Ok. Todavía en Perú, la compañía
Finca La Campina, con su marca Café de Papa, de la región de Chanchamayo, en Perú, en la categoría Poderoso Suave, obtuvo un diploma gourmet. Estamos llamando la señora Amelia Flores, si está, Amelia Flores. Ok. En Perú, ahora, la compañía Finca Santa Rosa, en la región de Pasco, obtuvo en la categoría Suave Aromático un diploma gourmet y estamos llamando el señor Diego Yahan. Diego Yahan, de Perú. Hola, soy Selena Contreras, de la Finca Santa Rosa. Muy bien. Bueno, esta es una finca. Ahorita está llegando mi hijo para que les explique todo. ¡Corre! ¿Sí? José. ¡Ruila! Habla. Mandamos ya. El gourmet. Están todos ahí. Hola, ¿qué tal? Muy bien, señor. Usted obtuvo un diploma gourmet en la categoría Suave Aromático. ¿Es su primera participación? ¿Es su primera participación en el concurso? No, es la tercera. ¿Tercera? Sí. Sí, qué bien. Tú, en el 2017 tuvimos la medalla de oro. Sí. En el 2018, medalla gourmet. Sí. Y en el 2019 no pudimos participar. Ajá. Y este año sí. De nuevo diploma gourmet. Y el año próximo quizás de nuevo gourmet oro. Esperemos. Ok, esperemos su participación de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez más, bravo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Vamos a hablar de, todavía de Perú, de la compañía Gerano Caguana Quispe, con su café Candelaria Espresso de la región de Puno, en la categoría Poderoso Aromático Acidulado, obtuvo un gourmet de oro. Y también en la categoría acidulado frutado, por su café en infusión, en filtro, obtuvo el gourmet de plata. Y estamos llamando al señor Rildo Orlando Vilcas Sotomayor. Rildo Orlando Vilcas Sotomayor. ¿Está aquí en Perú el señor Rildo Orlando? Ok, no está. En la región de Pasco ahora, todavía en Perú, la compañía María Angélica Díaz Trujillo de Schuller, para su café Cachuna, obtuvo en la categoría Suave Frutado un diploma gourmet. Estamos llamando a la señora Kelly Díaz de Schuller. ¿Está aquí? Ok. Siguiendo con Perú, en la compañía Marc Bolliger Neumann, por su café Rosenheim, en la región de Oxapampa, Pasco, en la categoría acidulado frutado, este café obtuvo un gourmet de plata, gourmet argent, y estamos llamando a la señora Gisela Neumann Gempe. Señora Gisela Neumann Gempe. Gourmet de plata para su café Rosenheim Café. No está todavía. Ok. El último participante de Perú es la Municipalidad Industrial de Yanahuava con su café Yanahuya Coffee en Puno. En la categoría acidulado frutado, obtuvo un diploma gourmet y la Municipalidad Provincial de Sandia, con su café Sandia Café, obtuvo en la categoría acidulado frutado un gourmet de oro. Y estamos llamando al señor Rildo Orlando Vilcas Sotomayor, que hemos llamado antes por otro café. Rildo Orlando Vilcas Sotomayor, de Perú. Parece que no está. Ok.
Gracias, Emmanuel. Terminamos. Medallas. Ahora te doy la palabra. Yo tomo la palabra para terminar con Filipinas, Ruanda y Togo, los últimos países que participaron en este concurso. De Filipinas, nuestro amigo Rich Watanabe. Rich, are you here with us today? Ah, yes, you are here. How are you? Hi, Philip. Yes, I'm here. I'm pleased to see you. We're doing okay. Great. You have seen you have won a gourmet, a silver gourmet for your coffee in the category powerful dulce, which is a beautiful definition of Philippines, yeah. No? Yes, it is. Thank you so much to AFPA. It's so nice to see everyone on AFPA. And the Philippines has had a very challenging year. Strongest storm on earth just a week ago, and parts of the country is still underwater. But we will bring this as the best story for Philippines this year. Thank you so much, AFPA. You're welcome, Javier, and hope to see you in a short time. Yes, very excited. Yeah, me too. From Rwanda, is Sydney Kiber here? Sydney, are you here? From Rwanda, we had a beautiful coffee, rounded and balanced, which won a gourmet award. And to finish the list, last but not least, as we say in English, j'appelle le père François Amouzou, qui nous a fait visiter son abbaye et qui, avec son café Arabusta, a gagné cette année un gourmet de bronze dans la catégorie puissant amer. Père François, merci de cet envoi, de ce très beau café. Êtes-vous heureux avec le résultat, vous qui êtes un habitué du concours? Ah, c'est l'heure de la prière. Allô? Oui. Merci. Nous sommes très heureux d'avoir appris que nous sommes gagnants à ce concours et ça nous donne le courage de continuer notre effort pour améliorer la qualité. Et il faut le dire que le café est cultivé sur place et transformé sur place. Donc, à travers ce concours, nous continuons à améliorer la qualité au niveau de notre café. Merci beaucoup. Eh bien, félicitations à votre abbaye pour les magnifiques cafés que vous y produisez. Je sais aussi, pour vous avoir visité, que vous y produisez beaucoup d'autres produits absolument extraordinaires. Donc, merci à vous et grâce à Dieu. Nous avons maintenant, à côté du concours général AFPA, deux prix spéciaux qui ont été décernés par nos partenaires. Et je veux, à ce propos, remercier nos partenaires qui nous permettent de mener cette opération de concours international. Cette année, nous avons eu Conti qui s'est présenté tout à l'heure et qui nous a accueillis dans ses locaux et nous a mis à disposition les machines expresso dont nous avions besoin. Mais pour mettre du café dans la machine expresso, il faut encore moudre ce café. Et l'entreprise Santos, que je vois ici présente, nous a mis à disposition les moulins nécessaires à la mouture du café. Et je voudrais appeler Sophie Jouan de façon à ce qu'elle nous parle un petit peu de la société Santos qui va remettre le moulin que vous voyez ici en présentation au café qui a obtenu la meilleure note absolue de tous les cafés en compétition.
Donc, je vous laisse un peu languir pour savoir qui est le café qui a eu, dans les médaillés d'or, la meilleure note, en sachant que tout ça se joue à quelques dixièmes de points, hein, à ce niveau de qualité. Et je demande à Madame Jouan de bien vouloir nous présenter la société Santos. Oui, bonjour à tous. Je suis Sarah Jouan, société Santos. Oui. Nous sommes fabricants de moulins à café français depuis 1954. Donc, on fournit des moulins dans le monde entier. On exporte dans 130 pays. Je ne sais pas si vous voulez traduire au fur et à mesure. Oui, Jean-Emmanuel, tu peux traduire rapidement ou que je fasse? En espagnol ou en anglais? En anglais. On va le faire en anglais. So, we are the Santos Company, registered since 1954. And we are exporting in 130 countries in the world. Est-ce que vous voulez que je continue en anglais, du coup, peut-être? Peut-être, et comme ça, on traduira en espagnol. OK. So, I follow up in English. So, we are very proud to support the AFPA for many years now, because we want to promote the coffee in the world. There is a big know-how from the producer to the roaster, the barista and the manufacturer of equipment, coffee grinders and coffee machines. So today we are proud to offer this grinder here, which is the most recent grinder of the range, to the person who had the highest rate for its coffee. So this is Alma Coffee in Colombia. So, congratulations. Tengo que traducir un poquito. Santos is happy to participate in this quality chain of coffee and to offer the meal you can see on the picture, which is made for barista. And this year, this very specific meal will go to a Colombian company, the company who has won the highest notation with this coffee, with Alma Café. Alma Café in Colombia. And I go back to Alma Café to tell you that the coffee won this very medal. Excuse me, I'm going through my page. Felipe, voy a hablar español porque tu traducción de inglés a español estaba muy inglés. Ok, este año el molino con el premio dado por la compañía Santos fue atribuido a la compañía Alma Café por su café que obtuvo sus cafés en el concurso este año. Gracias. Felipe Jaramillo, estás aquí, si te veo. Entonces, debes saber que tu café de Cundinamarca ha ganado la nota máxima en el concurso AFPA de este año. Oh, excelente. Muchas gracias. Buenísimo. Santos, thank you so much. I appreciate so much that grinder is excellent. Muchas gracias. Muy, muy, muy contentos. Y saber que es ese café de Cundinamarca, pues que escogimos un café de las mejores características y obviamente todo el proceso tostado y toda la curva de tostión que usamos. Buenísimo. Muchísimas gracias. Thank you so much. You're welcome. Merci. Congratulations. Gracias. Philip, te habla Octavio Castilla, gerente general de Alma Café. Quiero agradecerle a ustedes por estos premios que nos han otorgado y a la compañía que nos dio ese premio máximo también agradecerlo. Y seguiremos trabajando permanentemente por él. No debes agradecernos, pero agradecer a tus productores y hacer un café excepcional. Sí, señor. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Madame Jouan, y organizaremos la transferencia del molido en las semanas qui viennent. La deuxième société qui nous a appuyés dans ce concours, c'est la société Brita, car vous savez que pour faire un bon café, il faut une bonne eau. Et la société Brita,
qui s'est déconnecté, malheureusement, a donné donc une carafe Brita avec une cartouche pendant plusieurs mois. Au deuxième café en matière de notation, qui est un café du Congo. C'est donc le café du Congo qui recevra cette année la dotation de Brita pour avoir une eau parfaite pour faire un café absolument parfait. Donc du Congo, c'est la société de café des femmes, Toubani Coffee Cooperative, qui a gagné la dotation de Brita. So, félicitations au Congo qui a envoyé un café, mais ce café a gagné une médaille d'or. Mais j'ai vu que dans la salle, nous avions rejoint mon ami Guy Kisanski. Est-ce que tu es là, Guy? Allô, Guy? Non, il a disparu. Oui, je suis là, Philippe. Ah, bonjour, Guy. Tu m'entends? Bienvenue, je vois que ton pays a été, comme d'habitude, bien reconnu pour la qualité de ses cafés. Et je voulais simplement dire que Guy est en train de préparer une opération de dégustation des cafés du Congo que nous ferons ici à Paris, de façon à pouvoir donner la certification gourmet à des cafés qui n'ont pas participé au concours, donc qui n'ont aucune chance d'avoir une médaille d'or, d'argent ou de bronze, mais qui, si leur qualité le permet, pourront obtenir une médaille gourmet lorsqu'ils auront été dégustés et s'ils ont le niveau que nous en espérons tous. Merci Guy et à très bientôt. Ce serait bon pour la bonne règle, Philippe, de rajouter que c'est les cafés de Congo-Kinshasa, parce que nous avons deux Congos en Afrique. Tu as tout à fait raison. Congo, la RDC, la République démocratique du Congo, et non pas le Congo-Brazzaville. Une autre personne que je voulais vous introduire avant de conclure cette réunion, c'est notre ami Luc Prouveau. That's a very important piece of information, and I want to do it in English and in Espanol. Luc Prouveau is a friend of mine, and he's a roaster in Paris, and more than a roaster in Paris, he has a distribution company. Who is present on the French market. And Luc informed us and asked us to inform you of his will to have a special section of coffee roasted at origin, which will be distributed in France and Europe through his company, and will give you all relevant data for you to contact Luc if you are interested to find a distributor in France and Europe for your coffee. Thank you, Luc, for that effort. I am sure you'll meet a beautiful success with this fantastic coffee. We demonstrated the quality of it. And well, let's animate to everybody. En español ahora quiero introducir a mi amigo Luc Prouveau. Es un tostador en París, un tostador de café de alta calidad, y tiene un sitio internet donde vende cafés y equipos de cafés. Y Luc me informó de su voluntad de desarrollar un departamento cafés tostados al origen. Entonces, vamos a venderles su dirección y si les interesa, pueden contactarle y ver las condiciones en las cuales sus cafés podrían ser distribuidos a través de esta empresa, por lo menos en Francia y quizás en Europa. Gracias a Luc y félicidades à tous. Philippe, je reprends la parole une minute pour dire en français ce que tu viens de dire en anglais et en espagnol. Donc, Luc Prouveau est un torréfacteur parisien qui, au-delà de son activité de vente de ses produits torréfiés, a un site de distribution également et compte importer et distribuer des cafés torréfiés à l'origine.
Donc, ça peut intéresser tous les producteurs ici présents qui ont participé au concours. Ils ont la possibilité de contacter pour faire distribuer leur café en France. J'attire aussi l'attention de Philippe sur le fait qu'il y a un certain nombre de gens qui souhaitent parler, qui sont arrivés après. La parole est ouverte. Je propose que les gens qui souhaitent dire un mot lèvent la main pour se signaler à nous-mêmes. Merci. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous êtes les bienvenus. Et je vois que Michael Rudy veut prendre la parole. Voilà, Michael. Hello, Philippe. Hello. How are you? Thank you, yeah. Oh, fine. Yeah, thank you, yeah. From Indonesia, Kopitaner Kita. Thank you for Gourmet Medal, yeah. Yeah. You're welcome. Thank you. Merci, yeah. See you later. Yeah, see you later. Merci. Who else? Is there any question? No, no lo creo. Ok. Well. ¿Hay alguien que quiere hablar, que tiene una pregunta ahora mismo, antes que cerramos la sesión? ¿Alguien que ha llegado después o no? Quisiera preguntar cómo vamos a recibir los listados completos de los premiados. ¿Vamos a recibir algún correo electrónico o algo así? Sí, toda la lista de los ganadores estará en nuestro sitio que conocen, lo espero, avpa.fr. Pienso que por la tarde hoy la lista estará en nuestro sitio. Ok, vale, muchísimas gracias. Con los detalles de las categorías en las cuales ustedes han obtenido sus premios, con los detalles de categorías. Y a partir de mañana mandamos toda la información a la prensa nacional, internacional, café o general. Listo, perfecto. Y acerca de las medallas, los digitales para digamos para impresión en bolsa o cosas así, ¿cuándo recibimos esa información? La semana próxima van a recibir un correo un poquito pesante de parte de AFPA con todo el informe a propósito del uso de la medalla, cómo pueden utilizarla, de cuál manera, que hay que firmar como convenio con nosotros. Nuestra preocupación principal es asegurarnos que el café que será vendido con la medalla AFPA está de la misma calidad que el café que ha ganado la medalla en el concurso, lo que no es fácil controlar. Entonces, contamos sobre todos para averiguar este punto, informarnos si a veces habría cafés que no tienen exactamente la calidad que debe tener un café con medalla. Señora México. Madame Migo. Bonjour. Ah, malheureusement, la connexion est très mauvaise. Nous n'arrivons pas à vous entendre. Est-ce que vous pouvez écrire votre... Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Bonjour. D'où est-ce que vous nous appelez? Vous m'écoutez? Très mal. Oui, parce que... Philippe, allô? Il s'agit de la dame du Café des Femmes RDC. Ah, bonjour. Très bien. Eh bien, félicitations. Mais malheureusement, la connexion est très mauvaise. Oh là là, merci. Je suis émue de joie. Je ne sais pas comment exprimer mes joies. Vraiment, merci. C'est la première fois que nous participons à ce concours et nous venons de réussir. Vraiment, un grand merci à l'AFPA.
Merci à tout le monde. Eh bien, écoutez, bravo. Et c'est nous qui devons vous dire merci. Merci de nous avoir envoyé un café aussi exceptionnel. Bien sûr, on sait bien que le Kivu est une région exceptionnelle de café. Et c'est un jour avec bonheur que nous retrouvons des cafés de cette région qui a un petit peu disparu de la carte, malheureusement, puisqu'il est beaucoup moins présent dans la liste des pays producteurs, des régions productrices. Donc, merci à vous. Et j'espère que notre ami Guy va nous donner l'occasion de nous rencontrer à quelques moments en République démocratique du Congo, puisque nous avions déjà fait une mission de formation avec lui et que nous espérons bien réitérer cette mission de formation dès que les conditions sanitaires nous permettront de voyager à peu près tranquillement. Donc, merci pour vos cafés, bravo, félicitations, et j'espère à très bientôt. Nous y verrons, Philippe, de faire la même chose que nous avons fait en 2018, et ça sera avec plaisir d'accueillir Madame Ligaud et de l'appuyer conséquemment. Merci, Guy. Eh bien, écoutez, c'est l'heure de la conclusion de cette réunion. Je voudrais encore une fois dire un très grand merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce concours. D'abord à vous les producteurs, aussi à nos partenaires. Je voudrais aussi remercier les collaborateurs de l'AFPA et je voudrais vous les présenter. Et donc, je vais leur demander de se mettre devant une caméra. Est-ce que Xenia, Marcella, Alphonse, voilà, je vois Marcella ici présente. Donc, c'est la Colombienne de l'équipe qui assure l'administration des concours et en particulier du concours café. C'est joint à nous aujourd'hui, on voit sa tête et son masque, Alphonse, qui lui arrive du Togo et qui va nous aider dans une meilleure présence de l'AFPA en Afrique et en Afrique de l'Ouest en même temps. Et il va rester en liaison avec notre association pendant le temps de son doctorat sur, évidemment, le café et le café dans le développement. Enfin, voilà Xenia. Alors, Xenia ne vient pas d'un pays producteur de café. Xenia vient de Russie, mais elle nous amène tout son dynamisme et sa rigueur absolument essentielle pour l'organisation de la communication et faire connaître le concours à travers le monde auprès des producteurs, mais aussi auprès des consommateurs. Et puis enfin, Banu, que je vois apparaître, Banu. Banu qui est resté avec nous cette année. Banu vient d'Union indienne et il nous a apporté sa contribution importante, en particulier pour le concours du thé, même s'il n'a pas encore réussi à nous aider à avoir des producteurs de café indien, car l'Inde est un pays paradoxal qui consomme tout son café et finalement l'exporte relativement peu. Donc, merci pour ce concours de café que nous espérons donc poursuivre l'année prochaine. D'ici là, nous continuerons nos efforts de formation dans les pays producteurs et nous sommes en train de mettre au point un outil qui permettra dans vos différents pays d'affûter vos compétences de dégustateur en découvrant les cafés du monde entier. Merci aussi, nous allons reprendre aussi les efforts de concours locaux que nous avions entamés et qui ont été interrompus par le coronavirus. La certification gourmet dont je vous ai parlé avec Guy Kizansi. Et puis, je terminerai en vous donnant rendez-vous, puisque vos pays sont en général aussi producteurs de ce produit, à notre prochain concours, qui sera un concours de chocolat élaboré à l'origine. Et nous espérons pouvoir tenir ce concours à l'orée de l'année 2021, si Dieu le veut, et si le climat d'incertitude sanitaire nous le permet. Jean-Emmanuel, est-ce que tu aurais la gentillesse de dire ça en espagnol? Ok, voy a hablar en español y después vamos a pasar la palabra a la tienda que quiere también dar un mensaje. Ok, lo que ha dicho Felipe son los tres ejes de desarrollo de AVPA en los próximos meses. El primer es
la construction d'une una formation, une éducation, un entraînement à la catation de café, à la cata de café, de manière, comme se dit, pour mandando les ejemplares et les muestras pour correo, c'est la première chose. La seconde chose est la construction de concursos locales en los países productores. Estábamos listos para hacer algo en Colombia, lamentablemente con la pandemia no podíamos hacerlo. Y la tercera cosa es el próximo concurso que vamos a desarrollar, que tendrá lugar en enero, febrero del año próximo, que es un concurso de chocolates elaborados al origen. Como sus países están produciendo muchas veces cacao, además de café, esperamos que ustedes van a apoyarnos para mandarnos competidores y participantes a este nuevo concurso de chocolates elaborados al origen, que es un concurso en lo cual hemos pensado durante varios años y que ahora hemos decidido implementar. Ahora, después de eso, pasamos la palabra al señor de la coffee shop, la tienda, que quiere decir algo. No, simplemente es agradecer a BPA pues, por este reconocimiento de todos los productores de café acá en Colombia y no, estamos felices por este premio tan importante para nosotros. Muchas gracias, Felipe. Gracias, gracias por sus agradecimientos. Me parece que la señora Gloria Catusive quiere también tomar la palabra. Gloria. Hola, Gloria. Hola. Hello. I'm English speaking. Yes. So, yes. I had a question. I joined in a bit late, so I was wondering if it would be possible to get the results. Sure. I did not know how our company performed. Frankly speaking, I don't know at the time present, but the result will be on our site, avpa.fr. So within 1 hour, you can find all the results of the competition. All right. Thank you very much. You're welcome. Okay. Thank you, everybody. Goodbye. See you at latest next year. And be strong and careful with the pandemia. Thank you to all of you. Goodbye. Thank you very much, Philip. Bye. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. See you later. Merci, Philip. Gracias. Hasta luego. Merci, Philip. Yeah. Beautiful. Everybody. Beautiful. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.